Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu de format. Je me suis dit pourquoi pas vous faire un espèce de petit comparatif avec les produits qu'on peut retrouver chez Action. Les comparer avec d'autres enseignes comme Maison du Monde, IKEA, H&M Home. C'est vrai qu'on retrouve des produits similaires à Action, ou bien vraiment les mêmes, ou bien certains sont similaires, genre ils se ressemblent énormément, c'est pas la même chose, mais il y a des différences de prix, c'est juste incroyable. Je comprends pourquoi on est fan de ce magasin-là. En tout cas, je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez aimé donc le thème de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner surtout si ce n'est toujours pas fait. Eh bien, c'est parti, on se retrouve du coup en magasin pour faire le comparatif. Alors, me revoici en magasin. Je vais vous montrer vraiment pas mal de choses, que ce soit de la déco, des articles ménagers, un petit peu tout. Vous montrer vraiment la triste réalité, j'ai envie de vous dire, et tant mieux, autant mieux qu'un magasin qui s'appelle Action, parce que franchement, moi je vous dis que ça rend service et puis ça permet surtout de se faire plaisir à petit prix, ou pouvoir, voilà, où on va pouvoir changer notre déco, ou voilà, assez souvent, dû au petit prix. Voilà. Donc je vais commencer ici avec cette belle armoire. Armoire murale. Alors, parfois, je vais vous montrer les mêmes produits et parfois, je vais vous montrer des produits similaires. D'accord? Donc là, on est sur 95 cm de haut, 76 de large et 30 de profondeur. Cette étagère, elle coûte 29,95 € chez Action. Ok? Et je vais vous mettre ici ou ici une petite image d'une autre enseigne et je vous mettrai le nom de l'enseigne. Je vous assure que parfois, on retrouve la même qualité. Voilà. Parfois, certes, par exemple là, pour ces miroirs, on a des miroirs suspendus. Alors, ils sont assez fins. Oui, ils sont à 9,49 €. Là, je vais vous mettre un miroir plus ou moins similaire. Certes, la qualité, elle est un peu plus, c'est plus épais. 9,49 €, 50 cm de diamètre. Les tapis fausse fourrure comme ça de luxe, 60 par 90, sont à 11,95 € ici. Voilà, du gris, du beige ou encore du blanc. Donc là, c'est la gamme de luxe assez épaisse. Ce qu'on retrouve également là, celle-ci, avec des poils plus longs et c'est beaucoup moins épais, c'est plus fin quoi, à 6,95 € et c'est les mêmes dimensions. Table d'appoint comme ça, un petit chevet en fait. Hein. C'est un petit chevet avec un tiroir à 19,95 €, 40 par 30 par 50 cm les amis. Regardez par ici, on a ces belles petites étagères. Alors charge max 1,5 kg. Voilà comment elle se présente. Ils sont sympas. Hein, c'est 4,95 €. Je trouve très belle celle-ci. Du coup, ce genre d'étagère, vous mettez là comme ça une petite plante suspendue. C'est canon. Normalement, c'est très joli. Cette plante coûte 4,49 €. D'ailleurs, normalement, je crois qu'il y a d'autres coloris. Ça, c'est trop mignon. Regardez, petit plateau de lit. Celui-ci, il existe en deux coloris. Vous l'avez comme ça, en couleur claire ou en plus foncé. Foncé, moi, je ne l'ai jamais vu encore. 7,95 €. Ouais, il est sympa aussi, hein, comme ça. 7,95 €. Et là, les dimensions, c'est 48 par 28 par 23 cm. Et charge max, ils ne nous disent pas? Non, ils ne nous disent pas. Voilà, donc il y a les deux coloris, 7,95 €. Là, on a ces petits cubes murales. Ça, c'est joli aussi hein, pour de la déco. Vous pouvez les mettre en décalé, etc. Il y a noir ou il y a bois clair et ça coûte 9,95 €. Il y a les bancs coffres comme ça, moumoute. De disponibles, 17,95 € et 76 par 38 cm. On les a aussi en plus petit, ils sont là. C'est un carré genre. Hein. Voilà, 38 par 38 à 8,49 €. Vous pouvez mettre à l'intérieur vos plaids, etc. Et l'utiliser ben, voilà, comme petit banc, charge max, c'est 90 kg. Alors après, on a des poufs comme ça, c'est 15,95 €. Ils sont beaux. Hein. Petit porte-manteau comme ça, il est sympa. 4,49 € celui-là. Alors là, ce spray, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le rayon articles ménagers. Oui, articles ménagers. C'est un défroisseur... pour enlever en fait les plis de vos vêtements. Ils ont un site internet hein. Donc le même est vendu beaucoup plus cher. Je vous laisse regarder à côté, c'est un truc de dingue, c'est le même.
185 ml de contenance pour 1,98 €. Voilà, 1,98 € chez Action. Vous voyez, ailleurs, il coûte une blinde. Ça, je vous en parle assez souvent de ces chiffons de luxe. Chiffon de luxe, 99 centimes. Eh bien, on retrouve les mêmes ailleurs. Vous voyez, c'est exactement la même composition. Ils sont super, ceux-là, pour essuyer la vaisselle, pour nettoyer vos vitres. Il y a du bleu, du gris ou encore du rose pour 99 centimes là. C'est 42 par 68 cm. Quand je vous dis que c'est les mêmes, ils sont dans les 5 €. C'est incroyable. Alors la pâte The Pink Stuff, elle est à 2,94 € ici. Pour la retrouver sur Amazon. Alors par ici, on a les blocs de savon en bambou à 1,62 €. Le distributeur, il est à 2,49 €. Et là, on a le petit support comme ça pour brosse à dents à 1,99 €. La gamme Zwilling côté cuisine, je vous en ai déjà parlé. Et oui, franchement, c'est un truc de dingue. Regardez. Alors, par ici, on a un mixeur plongeant à 12,95 €, 550 watts de la marque Zwilling. Donc, Zwilling, ils ont un site internet. Alors, on n'a pas le mixeur, non, c'est pas celui-là. On a aussi le mixeur de la marque Zwilling, il est dans les 16 €, je crois. Il n'est pas disponible, alors peut-être que je vous mettrai un petit extrait ou une petite image. Et alors, une théière ici avec infuseur en inox, 5,98 €, 800 ml de contenance. D'ailleurs, celle-ci, on peut également l'utiliser sur le feu, si vous le souhaitez, apparemment. Donc, regardez-moi cette beauté ici, ce joli verre avec petit infuseur. Le couvercle, il est en verre. Voilà, donc là, c'est 45 centilitres de contenance pour 3,99 €. Voilà, le couvercle, il est en verre, c'est magnifique. Regardez ici ce verre à thé ou à café aussi, trop joli. 99 centimes. Par ici, on a ces boîtes de rangement pour le café, le thé. C'est une boîte qui est en bambou. Il y a 8 compartiments, elle est très bien, la qualité elle est top. On a le dessus qui est en verre à 9,95 €. Pour 9,95 €. Normalement il y a différents modèles, voilà. On a aussi le noir, comme celui que j'ai à la maison d'ailleurs. Vous l'avez sûrement vu, comme ça. Ça c'est pareil, c'est trop beau. Hein, le petit plateau en marbre, il est à 7,49 €, c'est du véritable marbre, magnifique. 29 par 20 avec de belles poignées dorées. Il est vraiment pas cher, sachant que c'est du véritable marbre. Par ailleurs, on a également ici salière ou poivrière à 2,99 €, également en marbre, avec cette partie-là qui est en doré, pour 2,99 €. Tiens, la crêpière Tristar. D'ailleurs, il y a pas mal de petits électroménagers. Quand vous regardez le prix sur Internet, pourtant c'est la même marque, mais vendu ailleurs, eh bien c'est beaucoup plus cher. Là, 14,95 €, j'en ai vu dans les 30 €, c'est incroyable. Vous allez voir, je vous mets une petite capture d'écran ici. 1000 watts, 30 cm d'ailleurs. Je vous ai fait un petit test de la crêpière, elle est très très bien pour les crêpes. Ça cuit assez rapidement et c'est sympa, moi j'aime bien. Ça ne colle pas, nickel. Il y a également ces petites étagères-là, celles-ci, elles sont à 3,99 €, elles sont canon. Il y a aussi normalement du verre. Un beau verre kaki pour les enfants, ça peut être vraiment mon top. Une petite étagère, il y a noir, blanc, il y a du saumon, il y a couleur terracotta. C'est 48 cm pour 3,99 €. Alors on a également ce genre de porte-manteau comme ça en bois de manguier avec trois crochets en noir à 4,49 €. Ici chez Action. En revanche, je vous laisse regarder ailleurs le prix. Petit crochet porte-manteau en métal, 1,39 €. Il y a du doré, du noir ou encore du marron. Et encore là, je vous montre selon les arrivages. Enfin, selon la... Il y a beaucoup de monde là, pendant la période scolaire, donc il n'y a pas forcément tout ce que je voulais vous montrer en rayon. C'est vraiment dommage. Donc d'ailleurs, profitez-en pour me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. Et dès que je vois les petites pépites là, qu'on voit assez souvent, eh bien, je vous les montrerai. D'ailleurs, je vous invite à venir me suivre sur ma chaîne principale, où je vous montre des vidéos tous les jours. Je vous fais différentes enseignes. C'est la Rose d'Orient. Je vous le mets juste là. Et ici, les petites horloges comme ça, vélo, avec une petite plante grasse devant ou à l'arrière, c'est 6,95 €.
On a même du pur collagène là, dans le rayon parapharmacie. 240 grammes. Et là, il est en promotion à 7,95 €. Normalement, il coûte combien? 9,95 € en temps normal. C'est complément alimentaire, poudre de collagène. Alors là, dans le rayon parfumerie, on a du parfum de la marque Chantal Thomas. Eau de parfum, 100 ml de contenance. 13,95 €. Il y a aussi celui-ci, en noir. Alors le parfum Morgane, il est à 9,95 €. Vous avez celui-ci, le Red. Alors apparemment, parfumerie, il coûte beaucoup plus cher. Je vous mettrai une petite capture d'écran. Et on a aussi normalement le noir. Là, il n'en reste plus, le noir. Sinon, il y a celui-ci d'ailleurs, Agatha, en rose, le Dream. Ceux-là, je les prie, ils sont trop bons. Ou le orange Enjoy, il est à 9,95 €. Et on les retrouve dans les 30-40 € ailleurs. D'ailleurs, c'est l'eau de toilette, pas de l'eau de parfum. La bouteille, elle est comme ça. Magnifique bouteille, celle-là, Ignacée. Alors, les sérums, Elisa John, certains sont très, très bien notés. Donc, il y a différentes variétés, hein, à base de vitamine C, rétinol, vitamine E, 2,99 €. Moi, je vais vous mettre le prix auquel on peut la retrouver sur Amazon ou autre. On a également celui-ci, au collagène. Et moi, j'ai pris, alors, c'est lequel? Le orange, comme ça. Donc celui-là, il coûte 2,99 € ici chez Action. On a ceux-là à 1,99 €. Il y a celui-ci aussi. Ou encore le orange. Celui-ci. Et bien voilà, les amis, la vidéo, elle arrive à sa fin. Je compte sur vous pour que vous me mettiez un petit commentaire et surtout pour avoir votre avis. Est-ce que vous voulez une partie 2? Donc là, je vous ai fait un petit mixte, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo comme ça, spéciale déco. J'ai essayé de vous montrer surtout avec ce qu'il y avait en rayon, mais c'est vrai que parfois, il y a encore plus de choses. Bon, voilà, je vous ai montré vraiment ce que j'ai pu trouver en magasin, sachant que c'est les vacances scolaires, donc il y avait beaucoup de monde, c'est pas évident. Mais en tout cas, je trouve que le concept est sympa. Ça permet de comparer, on se rend pas compte, hein, mais vraiment les différences sont extraordinaires. Donc voilà les amis, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, gros bisous, bye bye.